C'est l'heure du dîner. Tu vas voir, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout mixé ensemble pour te faire une purée comme celle qu'on mange à l'hôpital. Pourquoi tu souris comme ça? Tu te moques de ma collerette, c'est ça? S'il vous plaît, parlez-moi du monde extérieur. Ça sent comment? Ça ressemble à quoi? J'ai oublié comment c'était. Les caninés ont besoin de se dépenser. Cet enfermement est en train de rendre Doug complètement zinzin. Mais heureusement, j'ai une solution. Je vous présente Teddy 2.0. Je l'ai programmé pour qu'il puisse servir de corps de substitution à Doug le temps qu'il retrouve la forme. Avec le capteur dernier cri, Teddy 2.0 sera tes yeux, tes oreilles et ton nez dans le monde extérieur. Maintenant que j'ai pu connecter ton esprit au corps de Teddy, ses neurotransmetteurs vont envoyer tous les stimuli qu'il perçoit à l'extérieur directement vers ton néocortex. Oh, Teddy sentir fromage, Doug sentir fromage aussi et Doug être content. Doug vraiment sentir fromage, Doug être content. Et ça n'est pas tout, tu peux sentir mais aussi voir et entendre grâce à mon invention. Allez boy, démonstration. C'est comme si on faisait une gratouille virtuelle. Une seconde, tu peux répéter? C'est comme si on faisait une gratouille virtuelle. Wow. Merci les amis. Teddy, on forme un seul esprit dans deux corps différents maintenant. Le monde nous appartient.